Enos, pourquoi avez-vous choisi comme patron de cette église Saint Vincent de Paul et Saint Olive? Eh bien, savez-vous, révérend Père, que la communauté chrétienne se rassemble ici est représentée principalement par les Français et les Italiens. C'est pourquoi je voulais un saint patron français qui a vécu pendant 2 ans en Tunisie en esclavage à la roulette. Il s'agit de Saint Vincent de Paul. Et une sainte italienne qui a été martyrisée en Tunisie. Il s'agit de Sainte Olive. Oui, Saint Vincent de Paul, nous le connaissons bien. Mais Sainte Olive, d'où vient-elle? Qui est-ce? Bien qu'on ignore beaucoup de choses sur cette sainte vierge martyre, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres détails se racontent depuis les siècles. Olive était donc une jeune fille de 13 ans, une jeune fille chrétienne, d'une noble famille palermitaine en Sicile, Italie. Elle a vécu au 19e siècle sous la domination des Ottomans. Le roi Abdallah Ibn Mohamed était le gouverneur d'Afrique et les sanguinaires Abdallah était donc le roi de Sicile. Pour votre harem.
Étienne, les filles de roi, je n'en veux pas. Jetez la couteau dans la forêt pour qu'elle soit tuée par les bêtes sauvages. Cette féconde solitude aurait duré 7 années. Oui, le roi des Tunis la ramena dans sa prison. Thank you.
Quelques années plus tard, pour le lieu de son martyr, il construit une chapelle à sa mémoire au cœur de la Médina à Tunis. Aujourd'hui, sur ces lieux, se trouve une mosquée portant le nom de Jemoa Es Zitoun, c'est-à-dire la mosquée d'Olive. Pourtant, il ne reste qu'à Palerme et dans toute la Sicile, le culte de Sainte-Olive se répandit à travers les cérémonies et manifestations locales. Mais à Palerme, là où du religieux, des frères d'ordre des frères minimes construisirent leur couvent, des signes furent observés. Une apparition fréquente d'une merveilleuse fille qui venait les protéger, les aider et enfin elle disparaissait. Gardienne de ce couvent. Levez les cœurs purs, garde le rang Dieu.